Encore une soirée de fous chantant dans les arènes du Temperas pour la 14e édition de leur spectacle, toujours aussi joyeux, convivial et émouvant. Les quelques 3500 personnes venues assister au concert n'ont pas été déçues. Plus de 3 heures d'hommage aux plus belles comédies musicales, de Mozart l'opéra rock à Mamma Mia en passant par la Mélodie du Bonheur ou Moulin Rouge, les 1000 choristes venus des quatre coins de France mais aussi de Suisse ou du Québec ont assuré le show. D'émotions, beaucoup de plaisir. Que du bonheur, magnifique. C'est waouh. C'est 8 ans que je viens et je reviendrai l'année prochaine pour la 9e. Très bien, toujours une très bonne ambiance, c'est formidable. Beaucoup d'émotions, surtout. Et puis voilà, mais on peut pas se rendre compte. On n'a pas chanté, on peut pas s'en rendre compte, mais pour nous c'était très fort, vraiment fort. Super, comme d'habitude, depuis 5-6 ans que nous venons, toujours autant de bonheur et autant d'émotions. Il y a eu des moments où même je ne pouvais même pas chanter tellement j'étais ému. C'était vraiment formidable. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on vit, quoi. Et pour coller parfaitement au thème, qui mieux qu'Hélène Segarra, Emmanuel Moir et Pablo Villafranca pouvaient accompagner les choristes pour cet hommage. Respectivement venus des comédies musicales Notre-Dame de Paris, Le Roi Soleil et Les Dix Commandements, les trois artistes étaient tout aussi comblés que la foule et les fous. Les avoir tout le temps après. Après, c'est 1000 personnes, on voudrait les avoir partout. Tu te lèves, tu as 1000 personnes derrière toi, tu déjeunes, tu as 1000 personnes à la table. Non, mais c'était magnifique. C'est des passionnés parce qu'ils ont travaillé 10 fois plus que nous. Et ce qui était magnifique, c'est que quand je me tournais, je voyais qu'il y avait des gens de tous les âges, il y avait des mamies, il y avait des enfants, quelques-uns, il y avait des jeunes, il y avait. Et voilà, la musique, c'est ça. C'est ce partage-là. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses où on retrouve cette diversité. La musique, ça ouvre toutes les frontières, ça efface toutes les différences et ça unit dans l'émotion. Alors ce soir, il y en avait beaucoup, je crois. Je veux de toi, c'est difficile de résumer ce qu'on vit en une soirée comme ça. C'est assez extraordinaire de pouvoir partager sur un plateau en live avec des musiciens et 1000 choristes derrière toi. C'est quelque chose qui est assez fort, surtout que dès qu'ils commencent à envoyer la purée, vraiment, c'est vraiment le mot, tu sens c'est une énergie qui te transporte, donc ça transcende. C'est-à-dire que tu pars ailleurs. Et en plus, moi, j'avais des chansons ce soir très dans l'émotion, dans la connexion de quelque chose qui m'ont... Voilà, j'ai décollé, donc j'en garde un super souvenir. C'est un vrai bonheur. Donc voilà, moi je faisais des étoiles plein les yeux, quoi.
C'est énorme. Voilà, c'est un plaisir. J'espère que dans pas trop longtemps, ils vont me rappeler pour vous revenir. Parce que voilà, j'ai kiffé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Public chaleureux, choriste chaleureux. Voilà, musicien super, des gens bien. Emmanuel, Hélène, très bien. C'est, voilà, je me suis éclaté. Éclaté. Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire. Elle nous dessine après l'amour, un arc-en-ciel dans notre chambre. Une semaine intensive de répète et un concert plus tard, c'est forcément le cœur gros que tout le monde regagne ses pénates. On est un petit peu sous le choc là, et puis un peu la tristesse que ce soit fini. C'est tellement génial. Voilà. On repart avec plein d'images en tête, on est content et on attend l'année prochaine. Ah, c'est facile à chanter.